La pire mission de ma vie. La pire mission, pas la permission. La première fois que j'ai fait sauter un cadenas, j'avais 3 ans. Je sais que j'ai l'air de me vanter, mais honnêtement, ça n'a l'air rien de sorcier. C'était un cadenas à code, le genre que vous devez avoir sur votre vélo, avec un accès à Internet et un peu de temps à perdre. C'est à la portée du premier venu. Je leur fais pas. Hein. Si, si, allez voir sur Google. Google, Google, hein, pour les cons. J'attends. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Pas compliqué, c'était mes parents qui m'avaient donné le cadenas. Ils jurent encore leur grand Dieu que ce n'était pas un test, que j'insistais pour jouer avec et qu'ils voulaient juste éviter de que je fasse un caprice. C'est clair. Padge, tu as compris. Non mais, vous y croyez, vous? Vous jouiez souvent avec des cadenas à code quand vous étiez petit? On avait autre chose à foutre. Entre parenthèses. Mes parents n'ont pas été particulièrement étonnés que je réussisse à ouvrir le cadenas. Ils étaient vieux. Parenthèse. Je pense que l'inverse les aurait surpris davantage. C'est vrai, ça doit être une énorme déception pour deux espions d'avoir un enfant totalement incompétent en la matière. Même mon prénom. Margaret, au secours. Ils ont choisi, parce qu'ils se déclinent en un tas de diminutifs, Peggy, Maisie, Molly, Margie, Meg. Et j'en passe. Parce que j'aurais pu dire Rémi Hortz. Je m'appelle Maggie depuis que je suis bébé, mais j'ai 12 certificats de naissance. 12 certificats de naissance. Chacun avec une version différente. Un peu de respect. Je vous dois quelques explications. Je suis entouré de cons, donc c'est pas évident de lire un texte. Des cons en merde. Ma famille, les cons qui m'entourent, travaillent pour le collectif. Ce nom ne vous dira rien. Mais vous avez forcément entendu parler de nos actions par les médias. Les médias. Okay. Les procès industriels, du tabac confondu avec des preuves accablantes. Louise, c'est la productrice hein, qui fout la merde. C'est lui. C'était nous, le démantèlement des réseaux de trafic d'êtres humains, encore nous. La chute du dernier dictateur péruvien, c'est toujours moi, pas vous, moi. J'avoue que je ne sais toujours pas exactement ce qu'est le collectif Vogel. Tout ce que je peux affirmer avec certitude, c'est qu'on est environ 200 espions dispersés à travers le monde à se déplacer là où on a besoin de nous. Dans nos rangs, on trouve des faussaires. Il y en a là. J'y reviendrai. Entre parenthèses. Des hackers. J'ai failli être un hacker. Des statisticiens. J'en ai en face aussi. Des experts en armement. J'en connais. Et je pense qu'il y a aussi quelques tueurs. Mais mes parents refusent de m'en parler. J'ignore combien le collectif compte de perceurs de coffres, mais ma famille voyage souvent à cause de moi. Il faut croire qu'il y a beaucoup de coffres à percer. On ne les vole jamais, ce qui nous appartient. La suite sur C8. Oui, non, c'est vrai.